Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose ce formulaire de contact réalisé avec un plugin de validation jQuery et le CSS de Bootstrap version 3. Vous éditez le fichier headform.php et vers la ligne 41, vous mettez votre adresse mail. Et vous éditez donc le fichier JS Bootstrap Contact. Ici, vous avez la possibilité de modifier le minimum de caractères exigés pour le champ texte donc du formulaire concernant le nom et pour le texte area, donc ici limité à 10. Donc là, vous réglez le nombre de caractères que vous souhaitez. Et bien, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, on va faire une petite démo. Alors ici, comme je viens de le dire, je mets un, deux caractères. Votre nom doit contenir au moins deux caractères. Donc on en met deux, hop, c'est bon. Le texte area, entrée au moins 10 caractères. Et voilà. Bon, ben, il n'y a plus qu'à faire une petite démo. Bon, il est très simple, je pense qu'il vous plaira. Alors, on remplit les champs. Bon, ben là, c'est bon, mais ici, bon, là, je vais mettre un petit texte afin de vérifier l'encodage UTF-8, donc que j'avais préparé. Nous envoyons donc le message. Et ici, donc, nous avons eh bien, la confirmation que le message a bien été envoyé. Le nom de la personne qui est rentrée, qui vous écrit, eh bien, est affiché ici, ce qui n'est pas mal. Donc maintenant, eh bien, nous allons vérifier le message. Et le voici. Voilà. C'était vraiment un tout petit tutoriel. Je vous souhaite une bonne installation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.